Pour en venir à votre quotidien, je présume que vous mangiez tous ensemble dans une cantine. Quel type de repas vous était servi? Étiez-vous correctement nourri? Alors, on appelait ça le réfectoire. C'était l'espace où qui était en fait aussi la chambre des enfants. Donc en fait l'espace du bas, une des plus grandes salles du château, enfin une espèce de château-bergerie, était le dortoir des enfants. Et pendant la journée, tous les lits étaient faits, rangés, ou c'était des lits superposés. Et il y avait comme ça toute une série de tables qui étaient mises à même le sol. Et donc les enfants étaient assis à même le sol sur du plancher, et c'était l'heure de manger, et donc chaque groupe était sur ses tables, flanqué de son responsable. Et donc le matin, c'était plutôt, je dirais, porridge et pain, très frugal, c'est-à-dire c'est pas comme s'il y avait comme ça des tas de confitures et des tas de trucs et des cornflakes et du lait à volonté. Non, 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 c'était t'as ton assiette avec ton porridge et tes deux, trois tartines, et tu manges ça, et basta. Pâte à tartiner, sirop, voilà, ce genre de choses, vu qu'ils tenaient effectivement grossistes en produits bio, etc. Donc voilà, on recevait des seaux, littéralement, de 25 kilos de cacahuètes, ou de thym, ou de miel, ou de ceci et de cela. Et donc ça, c'était le luxe suprême, quoi. C'était les choses à se mettre sur le pain, c'était waouh, quoi. Et alors après à midi, bah, c'était un repas plus axé sur une céréale, un légume, une protéine, donc que ce soit tofu ou seitan, donc un régime exclusivement végétarien. Le soir, on est à la soupe et au pain. Et alors, au milieu de tout ça, effectivement, bah, les punitions, quand elles vont arriver, enfin, vont arriver très tôt, mais elles sont le premier niveau des punitions est toujours axé autour de l'alimentation. Et donc, tu te fais punir, ah, tu peux pas manger ce repas-là parce que t'as fait X et Y, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont ça s'enclenche. Et donc, je ne pense pas que nous étions correctement nourris. En tout cas, ce qui est très très clair, c'est que jusqu'aux années 93, on n'est pas du tout nourri comme il faut. D'ailleurs, il y a le médecin de la communauté qui va une fois faire une apparition et qui va décréter qu'il faut un goûter pour ses enfants, parce qu'on est en train de devenir de jeunes adolescents et on démontre des manques nutritionnels, des manques en vitamine D, des taches sur la peau, certains ont des eczémas, il y a comme ça toute une série d'éléments qui font que il est décrété qu'il faut un goûter. Et donc ce goûter va arriver, voilà, quand moi j'ai 12, 13 ans, et il faut se rendre compte que avant ça, entre mes 5 ans et mes 13 ans, moi et mes camarades, on a passé un temps incalculable à voler à la cuisine, qui étaient des entreprises très périlleuses, parce qu'il fallait voler la clé, il fallait réussir à s'introduire dans la cuisine qui était constamment fermée à clé, il fallait réussir à passer les une ou deux ou troisième portes où derrière il y avait du pain ou d'autres denrées. Ensuite, il fallait réussir en utilisant l'excuse de, par exemple, faire la vaisselle de tous les enfants, du repas précédent, par exemple, de réussir à chaparder du pain et quelque chose à mettre dessus. La plupart du temps, il n'y avait rien. C'était trop difficile d'atteindre la zone où il y avait des pâtes à tartiner ou des choses comme ça. Et donc, on volait du pain et on le faisait rapatrier via toute une chaîne d'entre nous qui collaboraient en fait à ramener de la nourriture dans notre chambre. Notre chambre qui était, voilà, si je prends cette époque-là, donc juste avant mon départ au Portugal, on habitait dans une salle qui servait en fait pendant la journée de salle de cours. Les lits étaient tous entassés les uns sur les autres, hein, les matelas étaient tous entassés les uns sur les autres, et donc tous les jours il fallait étaler tous les lits partout, et chacun faisait son lit, et puis tous les matins il fallait tout ranger. Parce qu'après, c'était une salle de classe, quoi. Et si je prends la chambre dans laquelle j'ai habité juste avant, c'était au-dessus de la boulangerie. Donc il y avait une boulangerie, c'était une sorte de maison comme ça à deux étages. Et au premier étage, t'avais la boulangerie. Au deuxième étage, t'avais le dortoir des garçons. Et donc c'était principalement un grand espace, flanqué de culottes sur les murs. Et tous les lits étaient à même le sol, les uns à côté des autres. Et donc, comme ça, on était une chambre, on était 17 à dormir là-dedans. Et donc voilà, notre quotidien
non seulement, bon, il y avait le temple, le manger, puis après on allait à l'école, donc tout ce qui était école primaire qui suivait, on va dire, le modèle français. Il y avait des inspections de l'éducation nationale, des inspections de l'éducation nationale qui venaient voir si effectivement une fois par an. Et alors là, tout était préparé pour qu'on soit tous des enfants exemplaires, et il y avait des gommettes vertes sur les évaluations, et il y avait plein de choses pour prouver que tous ces enfants étaient extrêmement bien éduqués, et qu'ils étaient même au-dessus, soi-disant, de la moyenne française. Et donc, notre quotidien, quand on arrivait finalement à la fin de la journée, qu'on devait se brosser les dents après le temple, on pouvait encore se faire punir, on pouvait encore se retrouver assis dans notre chambre face à l'hôtel. Donc il y avait aussi ça, il y avait un hôtel avec une sorte de panthéon bouddhiste, mais évidemment aussi la photo de Robert Spatz qui était flanquée au centre. Et on pouvait encore se retrouver assis, puni. La punition en utilisant les pratiques bouddhistes était monnaie courante, quoi. Que ce soit faire des prosternations, faire des rosaires de mantra, réciter des sadhanas en entier, des pratiques, des rituels bouddhistes, qui étaient, pour le cas, pas du spatisme, c'est-à-dire que c'était des véritables rituels bouddhistes, qu'on devait réciter, qu'on connaissait aussi par cœur, et on se retrouvait parfois, donc, 2 heures de temple le matin, 2 heures de temple le soir, puis t'as encore 2 heures où t'es puni devant l'hôtel pour avoir fait je ne sais pas quelle connerie, absurde. Et donc en tout, j'ai une fois calculé, on était dans une moyenne entre 4 à 6 heures de pratique quotidienne tous les jours, qui prenait un temps considérable dans notre vie quotidienne, quoi. Et quid de la médecine? Étiez-vous correctement soigné? Alors moi je ne pense pas, c'est-à-dire que j'ai vu des gamins se casser un bras et la responsable du château de soleil qui lui dit « Ah mais ça tombe bien, il y a ta mère qui arrive dans 2 semaines ». Vous imaginez, hein, un gamin qui saute au-dessus d'une espèce de grosse balle comme ça, un espèce de grand bac en fer en fait, qui servait, je sais pas, pour la construction, mais qui avait été retourné pour l'occasion, donc vous pouvez imaginer un bol, mais d'une bonne grosse circonférence d'1m50, 2m. Et donc, on s'amusait à sauter au-dessus de ce truc, et ce gamin qui était mal nourri, pour l'occasion, problème de calcium, etc., il se casse un bras. Et la responsable du château, pourquoi elle lui dit ça? Ben, parce que cet enfant, il est illégal sur le sol français. C'est un ami à moi, d'origine rwandaise, ils n'avaient pas les papiers pour être en France, et donc il fallait surtout pas les amener à l'hôpital. Parce que si tu les amenais à l'hôpital, ils allaient demander, mais c'est qui cet enfant, qui sont ses parents, qui en a la garde, etc. Et donc, il est resté comme ça avec une espèce d'attelle, une attelle fait maison, qui lui a donné des problèmes après osseux, encore qu'il porte encore aujourd'hui. Il a une fragilité au niveau des poignets et des bras, parce que c'est pas la seule fois où il s'est cassé les bras. Et donc, c'était pas du tout adapté. Moi, je me suis coupé ici un tendon. Ce n'est uniquement parce que une maman qui était un petit peu une satellite, qui n'était pas quelqu'un qui était présent tout le temps là, qui n'avait pas de responsabilité, etc. Mais elle était là à ce moment-là, au moment où je me suis coupé. Elle avait aussi un background d'infirmière. Et donc, elle était juste là pour voir ses enfants. Et elle voit comment ça pisse, elle voit qu'il y a des bouts de tendons qui sont en train de se barrer dans le sang qui est en train de s'écouler de mon doigt, et elle dit aux autres adultes, faites gaffe, cet enfant, il faut l'amener à l'hôpital, il vient de se couper un tendon, quoi. Et donc, il a fallu insister, ça a duré 2 heures, et finalement, ils m'ont amené à l'hôpital de Draguignan. Là, je sais pas comment ils se sont dépatouillés parce que le type qui me conduisait, c'était un résident sur place qui était le menuisier. Il n'avait aucune autorité légale, on va dire, sur ma personne. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour justifier qu'il avait un enfant dont il n'était pas les parents, avec un tendon coupé. Voilà, on s'est retrouvé comme ça à l'hôpital, et puis ils m'ont fait toute une chirurgie. Ils ont réussi à me reconstituer le tendon, et le voilà, le chirurgien était quand même l'air de dire, vous savez monsieur, vous savez, il m'a dit ça un petit peu en, moi j'étais complètement à l'ouest, c'était la première fois de ma vie que j'étais dans un hôpital, je venais des montagnes, je comprenais rien, il a dû me faire, je sais pas moi, une dizaine d'injections pour que j'arrête de ressentir
les douleurs. Il comprenait pas comment j'étais à ce point hypersensible à la chirurgie. Et ils m'ont posé des questions. Moi, je savais même pas où j'étais. Donc, jeune homme, vous venez d'où? Et moi, je disais, je viens des montagnes, parce que je savais même pas où j'étais, quoi. Enfin, j'avais juste aucune idée. Donc, du coup, je suis ressorti de là avec mon bandage et tout mon machin. Ça a pris, je sais pas, plus de 6 mois à vraiment se cicatriser. J'ai traîné ça avec une infection, avec du pus, etc. Ça a été vraiment une cicatrisation très très lente, très très lourde. Et c'était moi qui m'occupais de moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui disait bon maintenant ça dure vraiment depuis trop longtemps et à chaque fois ça se réinfecte, il faut qu'on aille voir quelqu'un. Non, c'était moi qui passais mon temps à imbiber de l'alcool sur ma blessure pour être certain qu'il y avait aucun microbe ou aucun parasite qui venait et qui, parce que je comprenais pas comment ça se fait que voilà, il y avait du pus qui ressortait de cette infection. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait du fil à l'intérieur qui avait été utilisé et qui n'était pas du fil, à mon avis, qui était adapté à cette chirurgie. Et donc, ma blessure s'infectait constamment. Et donc ça, c'est pour des blessures un petit peu plus physiques, mais sinon, pour tout ce qui était rhume, grippe, toutes ces choses-là, c'était l'homéopathie qui était mise en avant. Et donc, t'avais la grippe, t'avais la fièvre, t'avais ceci, ben c'était toute la panoplie homéopathique qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui était utilisée, qui était mise en avant. Je dois t'avouer que moi, c'était aussi ma manière de me procurer du sucre. Moi, je volais dans la pharmacie et j'avalais les petits tubes bleus là, des trucs homéopathiques. Moi, je me les avalais comme ça en un shot. Je sais pas combien de granules. Et c'était ma manière à moi de trouver mon petit apport de sucre. Et sinon, ben en fait, on attendait simplement que la fièvre elle tombe ou que l'infection elle se guérisse. Alors oui, évidemment, il y avait tout ce qui était oxygéné, pansement, il y avait vraiment les bases qui étaient là. Mais je pense que très souvent et dans des cas précis, ça inquiétait pas spécialement, quoi. Il fallait attendre que ça passe. Et alors évidemment, quand t'étais vraiment vraiment malade, alors là tu pouvais rester au lit. Ça c'était le luxe total. C'est quand tu pouvais rester au lit que t'étais exempt de temple ou de travail ou de temple du soir. Et alors si tu pouvais rester 3 jours au lit et que ça te faisait une pause comme ça dans ta vie, c'était... Vous nous expliquiez avoir subi de terribles punitions qui s'apparentent clairement à de la torture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, la question des punitions à Château de Soleil, elle commence bien avant moi, en fait. Pour faire honneur à cette question, il faut revenir en arrière. Et en fait, il va y avoir un enfant, une jeune fille, qui n'accepte pas, en fait, cette manière d'exercer l'autorité sur elle, qui n'accepte pas le fait d'être séparée de ses parents, qui n'accepte pas le fait d'être maltraitée. Et en fait, elle se révolte, elle griffe, elle bat, elle mord, au moment où un adulte est en train de la punir, elle se bat. Elle ne se soumet pas, en fait, comme moi, en fait, et comme tous les autres par la suite, en fait. Et je pense que il faut la mentionner parce que elle est à la genèse de notre soumission. C'est-à-dire, dans notre inconscient collectif, il y a toujours eu cette image de Devi, la folle, qui était cet enfant révolté, qui se révoltait contre les gens qui la punissaient. Et cette fille, en fait, ils l'ont maltraitée, ils l'ont isolée, et je parle de semaines d'isolation dans une chambre, à 11-12 ans. Je parle d'une jeune fille attachée avec une ficelle à un poteau ou à un arbre, et laissée accroché comme un animal, laissé là au soleil et aux éléments jusqu'à ce que soi-disant elle se calme, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui apporter à manger. Et donc cette fille a été maltraitée, mais quelque chose de totalement abject, en fait. Et elle a été humiliée devant tous les autres enfants. C'est-à-dire que Robert Spatz a utilisé la situation pour bien faire comprendre aux autres enfants qu'est-ce qu'il allait leur arriver s'ils se révoltaient. Je pense que cette situation, elle a influencé après toutes les années qui ont suivi. C'est-à-dire que là, en fait, je suis en train de parler de la fin des années 70, début des années 80. Cette jeune fille, elle va rester quelques années à Château de Soleil. Elle va avoir une vie
Si déjà nos vies d'enfants sont difficiles, la sienne a été encore pire. Et ensuite, elle va être renvoyée à Bruxelles, chez ses parents, mais tout en restant quand même dans la communauté secte. Et elle va être toujours considérée comme une folle et comme quelqu'un de déséquilibré, d'instable et sur lequel tu ne peux pas compter. Et ce mythe, en fait, va se transmettre de mémoire d'enfant en mémoire d'enfant en mémoire d'enfant, et donc même beaucoup beaucoup plus tard, je fais un grand saut dans le futur, beaucoup plus tard quand on est déjà des jeunes adultes et qu'on va la rencontrer, et ben elle est toujours des villes à folles. Et donc, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ils ont donné des leçons terribles à cette jeune fille, terribles, qui ont muté les autres enfants, qui les ont vraiment fait, bon, allez, comportez-vous, parce que sinon, vous allez devoir vous... Ils en ont fait un exemple, en fait. Et donc, ça, je pense que ça a déjà donné le ton dès le début des années 80. Alors, il faut parler d'autre chose aussi par rapport aux punitions, c'est que la loi qui gouverne Château de Soleil, c'est pas la loi française, c'est pas les lois de la République, c'est pas la démocratie, c'est la règle d'or de Soleil. C'est un texte que Robert Spatz va écrire en 1982, suite au fait que différents adeptes vont couper des arbres, déplacer des pierres. Imaginez, couper des arbres sur la terre sacrée, déplacer des pierres dans la terre sacrée. Mais ça, c'est totalement... c'est un sacrilège. Et donc Robert Spatz va débarquer comme une furie de Bruxelles, et il va codifier le comportement de comment il faut vivre à Château de Soleil. Et ce texte, qu'on retrouve dans nos archives publiques, s'appelle « La règle d'or de Soleil » et était récité tous les jours par les enfants, à voix haute. Et en même temps, il y avait un rituel de... En plus de ça, donc le jeudi, c'était le jour de confession. Bon, le jour de confession, il fallait venir devant l'ensemble, on va dire, des enfants et des adeptes et des adultes qui étaient là, et il fallait se confesser des actes nuisibles qu'on aurait fait le long de la semaine. Et donc, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de vols qui ne se sont pas confessés, parce que si on les avait confessés, ben après, on se serait fait punir. Donc, la grande majorité des bêtises, en fait, ne se confessaient pas. Par contre, il fallait lire, on va dire, les 10 actes nuisibles, et donc Robert Spatz avait écrit comme ça, pour chaque acte nuisible, il avait écrit une espèce de je sais même pas, de monologue, de texte, en fait, adapté à chaque acte nuisible en tant que tel, hein, donc ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, l'inconduite sexuelle, tous ces trucs-là, en fait, qu'on sent mais hyper dérivés du catholicisme, mais qui font aussi partie du bouddhisme, hein. Dans le bouddhisme, il y a aussi les 10 actes nuisibles, même s'ils sont pas tout à fait pareils, hein, mais c'est la médisance, la calomnie, voler, mentir, enfin, tout ces, y a des points communs, et donc tout ça, en fait, gouverne le socle de la vie à Château de Soleil. Et en plus de ça, je pense que ça va donner un ton, parce que si on lit ce texte, en fait, c'est d'une noirceur, en fait, ce texte est d'une violence énorme, en fait, porte une violence énorme. Et nous, c'est notre quotidien. Ce texte, on doit le lire, tout comme on doit lire des vrais rituels et des prières tibétaines, qu'on doit apprendre le tibétain, qu'on sait lire tout ça en tibétain. Bah, de même qu'on a tout ça d'un côté qu'on pourrait dire qui est légitime, ou enfin pas légitime, mais en tout cas qui est original, et ben à côté de ça, il y a toute la liturgie de Robert Spatz qui vient s'insérer dans nos livres de prière. Ça, c'est un livre de prière. Je pourrais l'ouvrir après si tu veux, hein, mais dedans, on peut même retrouver des broles à Robert Spatz. Voilà. J'attends que les procès soient finis pour faire un grand feu de joie ou pouvoir brûler tout ça, mais l'idée, c'est que la loi qui gouvernait le Château de Soleil était clairement, elle émanait de la règle d'or de Soleil, et que tout le monde y était sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait une contravention à la règle d'or de Soleil, il était éjecté de Château de Soleil. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Ok. Et donc du coup, non seulement ça mettait tout un espèce d'état d'esprit, comme en plus ça mettait en place une espèce de modèle de normalisation des violences. Et donc je reviens ici à la torture et à la question d'origine, mais je devais un peu placer le contexte, parce que en fait, je pense que ça se passe aussi même dans une famille. Tu donnes une gifle à ton enfant dans un moment de colère, de manque de contrôle, de terrible inconsistance, et une fois que t'as donné ta première gifle, bah c'est possible que la deuxième vienne avec déjà plus de facilité. C'est possible que quand
une micro-société enfermée dans un vase clos et qu'elle voit au début des enfants qui sont privés de nourriture. Ensuite, elle les voit courir dans le froid parce qu'ils ont fait, ils ont dit telle bêtise, ou ils ont fait ceci, ou ils sont arrivés en retard au temple, ou ils sont arrivés en retard à l'école. Et donc, hop, courir autour de l'air sacré. Et puis, on est en automne ou on est en été, et donc courir autour de l'air sacré, ça a l'air normal. Sauf qu'ensuite, t'as l'hiver qui vient. Et que, ben, courir dans la neige ou dans le gel, pieds nus, c'est pas la même chose. Mais tout le monde est habitué. Même, je veux dire, t'as la chef l'épouse du responsable de Château de Soleil, qui avait une vue directe sur l'air sacré du haut du balcon de son château, et qui voyait des enfants courir autour de cette surface toutes les semaines. Et elle regardait même plus par la fenêtre, c'était devenu totalement normal. Ah, il a sûrement fait une bêtise, il a sûrement fait une connerie, il est puni. C'était banal, totalement banal. Donc, les privations de nourriture, les punitions avec tu vas faire telle et telle pratique, tu vas faire centaines de prosternations, parfois des milliers de prosternations, les courir dans la neige, courir ou prendre des douches froides, tous ces trucs-là, c'était la base. Après, les moments où ça partait vraiment en vrille, c'est quand, par exemple, il te disait, t'as dormi au temple, et ben du coup, douche froide, et alors il venait, donc tu devais aller volontairement prendre ta douche froide, et donc il allait vérifier dans quel état tu revenais pour s'assurer qu'effectivement t'avais pris ta douche froide, et alors parfois il ajoutait en plus, il venait pendant la douche froide avec une raclette, donc avec le balai, avec le manche de la raclette, et il te tapait sur les tibias, sur les cuisses, sous la douche froide. Alors je sais pas si les gens ils savent ce que c'est que de recevoir des vrais coups de raclette dans le tibia ou dans les cuisses, mais alors sous le froid, c'est une autre paire de manches, quoi. C'est vraiment une autre paire de manches. Et donc c'était extrêmement douloureux. Et en plus de ça, il t'encourageait en quelque sorte à ne pas pleurer, à ne pas crier, parce que si tu criais et que tu pleurais encore plus, et ben elle allait te taper encore plus. Et donc tu subissais les coups et tu pouvais pas éteindre l'eau froide. Enfin, c'était juste abominable, en fait, ce que ce type faisait. Type, d'ailleurs, qui s'est suicidé lors du premier procès, quand toutes ces révélations ont été faites. Je pense que ce type a fait des erreurs, mais monumentales, pas que sur un ou deux enfants. Hein. Il avait un groupe de 17 garçons, et dans ces 17 garçons, moi j'en compte peut-être 3 sur les 17 qui se sont jamais fait battre, qui se sont jamais fait punir. Tous les autres, moi, dans mon souvenir, c'est qu'il y avait une espèce de ténèbres, en fait. Et que, toutes les semaines, quelqu'un se ramassait, quoi. Et il y avait même certains qui, il y en avait certains qui prenaient pour les autres. Il y en avait un. Tout va bien. Il y en avait un, si personne se dénonçait pour dire « voilà, c'est moi qui ai volé, je sais pas moi, du pain, un soyo, une connerie. » Vu que tout le monde allait être privé de nourriture s'il y avait pas quelqu'un qui se dénonçait, eh ben au bout d'un moment, ben un peu faim, donc il y en avait un qui se disait « bon, moi je vais dire que c'est moi, comme ça, ça débloque la situation. » quoi. Et donc ce gars, il prenait souvent sur lui pour débloquer des situations. Et donc Francisco l'amenait dans sa chambre, il s'asseyait sur lui, et il le tapait, quoi. Il le tapait avec différents types de bâtons, sur les jambes, sur les fesses, ça remontait jusque dans le haut du dos. Voilà, c'était une violence vraiment inouïe. Il revenait, il arrivait pas à s'asseoir. Il marchait clairement avec les fesses en feu, quoi. Il sanglotait, il allait dans son lit, et vu qu'on dormait tous dans la même chambre, ben tous les gamins entendaient très bien qu'il était en train de, il était pas en train de pleurer ouvertement, mais il était en train de sangloter, il était en train de laisser, on va dire, voilà, ses émotions s'évader, et on savait tous très bien qu'il avait pris pour nous, quoi. Tout le monde savait qu'il avait pris pour nous. La doctrine de Spetz perçoit les émotions comme négatives, il faut donc s'en soustraire. Quant à la douleur, elle est présentée comme bénéfique. Pensez-vous que c'est cela qui justifiait alors vos sévices ? Il y a cet aspect-là.
Je pense qu'à cet aspect-là. Et après, il y avait aussi l'aspect que voilà, entre garçons, on voulait pas être surpris. On voulait pas être surpris en train de pleurer ouvertement. Donc les moments de où on pétait un plomb, en quelque sorte, c'était une forme de cri silencieux, quoi. Puisque de toute façon, personne n'allait venir. Personne n'allait changer à quoi que ce soit. Et que c'est horrible à dire, mais la personne qui était ton bourreau le jour d'avant, le lendemain, probablement que cette personne se sentait mal. Enfin, si elle avait un reste d'âme humaine encore en elle, elle devait quand même un peu se sentir mal. Et donc le lendemain, on sentait souvent l'inversion du truc. La personne qui s'était fait punir la veille, ben, le lendemain, le responsable était plutôt gentil avec elle, plutôt tolérant. Donc il devait y avoir une forme de quand même un éclair de conscience de se dire, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais c'était pas exprimé, tu le sentais juste dans le comportement que, ok, le lendemain que tu te faisais punir, eh ben, en général, tu te faisais pas punir une deuxième fois le lendemain, à moins que tu fasses une connerie monumentale. Mais, les émotions étaient considérées comme malsaines. Les démonstrations d'affection étaient sur le même niveau que il faut contrôler ses émotions, il faut pas montrer ses émotions, que ce soit dans le chef des parents ou et après ça avait un impact sur les enfants. Tous les enfants, en général, je me rappelle, on quittait Bruxelles et on avait notre main comme ça sur la vitre du bus ou de la camionnette qui nous ramenait à Château de Soleil et chacun disait au revoir à ses parents qui étaient dans la rue de Livourne et dans ce bus tout le monde pleurait. Que tout le monde pleurait en silence. Et tout le monde faisait bien, bien l'intention de bien avaler ses larmes, quoi. De ne pas les montrer, de ne pas les laisser émerger. Ou alors, que si elles émergeaient, que voilà, que ça ne se voit pas. Et donc oui, je pense qu'il y avait un contrôle des émotions, gigantesque, un autocontrôle aussi, qui était induit de par l'endoctrinement qu'on recevait. Et du coup, cette dureté de la vie, en fait, elle se réverbérait aussi dans nos relations entre nous. Comme dans toute situation où vous mettez plein d'enfants ensemble, il peut y avoir des problèmes d'harcèlement, voilà, de bullying, de chaque enfant qui, à tour de rôle, devient un petit peu le mouton noir, ou bien passe de l'autre côté, devient l'espèce de héros, le modèle, parce que, je sais pas, t'as reçu un nouveau vélo, ou tes parents sont arrivés et t'as reçu des bonbons, alors du coup tout le monde t'aime bien. Et puis après, la roue tourne et ça change. Il y avait un monde, en fait, entre nous, qui était complètement en dehors du contrôle des éducateurs sur place, et qui était alors carrément à des kilomètres de nos parents. Ils n'avaient même aucune idée des relations qui existait entre nous, des liens d'amitié qui existaient entre nous, malgré les différences, les souffrances, malgré les épreuves, malgré toute une série de choses. Voilà, on a tous été à un moment donné moutons noirs, pourchassés parfois par les autres. Moi, je me suis retrouvé, les gens me couraient après, me jetaient des pierres. Et puis après, moi, je me suis aussi retrouvé dans des situations où j'ai jeté des pierres à des gens, j'ai couru des pierres à des gens, enfin, on a tous été à un moment donné ou à un autre bourreau ou victime. Et d'habitude, on va dire dans la société, on va dire que, enfin, le but du vivre ensemble serait d'éviter bah, que les foules deviennent des mécanismes qui se défoulent justement sur un individu. Et que toi, dans un groupe, dans un système social complètement intoxiqué et basé sur la survie, bah, tu vas te rattacher au groupe influent. Tu vas te dire, je dois être l'ami de qui pour qu'on m'embête le moins. Et donc c'est ça la survie dans un groupe d'enfants détachés et sans contrôle, et surtout sans que quelqu'un soit l'arbitre pour dire non 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 non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là quoi. Et nous en tant qu'acteurs de ce système social, de ce système de clans, de tribus qui ensuite en fait en grandissant eh ben, c'est même encore empiré, c'est-à-dire que quand on part au Portugal et qu'on devient des jeunes adolescents, enfin des adolescents, ben là, les choses sont encore plus impitoyables presque. Et puis il y a des influences qui viennent du monde extérieur, qui arrivent, qui débarquent chez nous, qui n'ont, il y a personne qui empêche ce qui est en train de se passer.
il y a des grands garçons qui vont faire pouette-pouette aux jeunes filles qui commencent à devenir des adolescentes, et il y a personne qui va leur dire, mais attends, c'est quoi ça, le consentement, la barrière personnelle, en fait, la création de l'individu dans un groupe, elle est complètement noyée. Et surtout, l'individualisation des enfants était complètement découragée. On n'existait pas en tant qu'individu, on existait en tant que groupe. Et donc, si quelque chose se passait, la punition s'effectuait sur l'individu, mais en tant que, on n'existait qu'en tant que groupe. Donc, on n'avait pas d'affaires personnelles. Même si, par exemple, ma mère, je me rappelle qu'elle elle faisait une couture avec mon nom sur les étiquettes des habits qu'elle m'envoyait, mais ensuite ces habits étaient utilisés par tout un chacun, ou alors la seule raison pour laquelle ça restait mon habit, c'était que j'étais un peu plus grand que les autres, et donc ça n'allait pas aux autres, j'avais des grands pieds et donc c'était mes chaussures, mais sinon ça pouvait tout à fait arriver que les chaussures qui avaient été utilisées par un et qui n'étaient pas encore abîmées, elles allaient servir à un autre gamin. Et c'était pareil pour les caleçons, les livres. Enfin, la moindre chose qui nous arrivait entre les mains, elle finissait diluée dans le groupe. Même si on recevait un gâteau, on allait devoir le partager en 17. Et vraiment, on n'existait que par le groupe. Même les anniversaires des enfants étaient organisés par signes astrologiques. Donc c'était tous les scorpions, puis tous les machins. Et alors les anniversaires se faisaient une fois par mois, presque, avec divisé par signes. Par signe astrologique, et c'était comme ça. Tu n'avais pas d'existence en tant que réel individu, ou alors si cette existence elle pouvait exister par moment, c'était uniquement dans une relation directe avec genre un responsable, un moment volé comme ça, un moment où la responsable n'est pas entourée d'autres enfants, où il y a pas de témoins, où il y a personne d'autre, et donc à ce moment-là, ça pouvait arriver qu'elle te prenne dans les bras ou que qu'il y ait une démonstration de quelque chose d'un petit peu plus, mais c'était des exceptions, c'était des instants volés, c'était des moments, c'était pas des normes, c'était pas des fonctionnements établis, c'était des choses qui se grappillaient par-ci par-là en fonction des connexions que tu savais créer ou pas avec les adultes qui nous entouraient et qui n'étaient pas nos parents moi par exemple je ne portais aucune des personnes qui vivaient sur place, je ne l'ai jamais portée dans mon cœur, jamais eu quelqu'un que je me suis dit ah mais elle est vraiment bien, ils nous battent pas ou alors oui, j'ai fait des différences entre différents éducateurs responsables, soi-disant, qui sont passés par nous, mais je les mets pas tous dans le même bac, mais il n'y en a pas un comme ça que je sais vraiment sortir de la masse, ou alors si, je sais en sortir de la masse, parce qu'ils se sont jamais occupés de nous, justement. Donc par exemple, le monsieur qui s'occupait du potager, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement doux, il avait beaucoup d'enfants qui passaient dans son potager pour dépierrer, récolter les légumes, machin, etc. À aucun moment, il a abusé de ses enfants. À aucun moment, il devait les faire travailler parce que c'était le système. Il devait leur dire quoi faire, etc. Mais c'était pas quelqu'un qui était là en train de les fouetter ou d'abuser de sa position. Non, c'est quelqu'un qui était toujours gentil, toujours respectueux des enfants. Mais en même temps, il était responsable d'aucun des enfants. Et donc, en fait, les meilleures personnes qui auraient pu s'occuper de nous, elles étaient souvent pas dans la position de s'occuper de nous. Et donc, ça faisait que ça devenait des espèces d'adultes refuges sur lesquels tu pouvais te réfugier. Tu savais que tu pouvais aller chez eux, comme ça, une fois par mois, tu te retrouvais chez eux, et alors ils allaient te donner du thé, des biscuits et du sucre, et ça allait être un moment suspendu, comme ça, où c'était autre chose. Dans cette communauté où la violence était systémique, où vous craignez à tout instant la subir, vous étiez isolé, que connaissiez-vous exactement du monde extérieur ? Écoutez, le monde extérieur se résumait à des flashs de voyage entre Château de Soleil et Bruxelles. En tout cas, pendant les 13 premières années de ma vie, c'était ça. C'était que quand on faisait le voyage en minibus de Château de Soleil à Bruxelles, eh ben, on comptait les voitures rouges, parce qu'on n'avait jamais vu autant de voitures rouges. On comptait les ponts. On comptait les lumières. Chaque lumière, on arrivait, parfois, il y en avait qui arrivaient à rester réveillés de Château de Soleil à quand même 12 heures de route, en fonçant. Donc, c'est plutôt entre 14 et, parfois c'est 14, 18 heures de route si tu fais plusieurs arrêts.
Et il y en a qui arrivaient à rester réveillés tout le long et ils s'amusaient à compter je ne sais pas quelle marque de voiture. Tout était nouveau pour nous. La moindre chose qu'on voyait était quelque chose d'absolument nouveau. En même temps, c'était très effrayant. Moi, je me rappelle d'avoir genre 9-10 ans, d'être à un feu rouge juste devant la rue de Livourne, donc la rue où il y a la communauté à Bruxelles. Mais sans savoir, aujourd'hui, rationnellement, je sais que j'étais à quel feu rouge j'étais, je sais exactement où j'étais. Mais sur le moment, j'avais 9-10 ans et ma mère me dit « Il y a une vieille dame qui est là, elle est perdue, elle doit aller juste une ou deux rues plus loin. Est-ce que tu m'attends ici au feu rouge et moi je l'accompagne ?» Et alors je lui fais « Oui, bon, ok. » Et en fait, je flippe complètement, quoi. C'est la première fois que je me trouve à un feu rouge dans une rue que je sais même pas où je suis. En fait, j'étais à 5 mètres de... Enfin, à 10 mètres ou 20 mètres de la maison où j'habitais rue de Livourne, enfin où ma mère habitait rue de Livourne, mais elle me laisse là, sur rouge, je sais pas où je suis, et j'étais terrorisé, j'étais sûr que j'étais perdu, ça y est, c'était fini, elle m'avait abandonné, ou... enfin j'avais vraiment une inadaptation mais tellement profonde à la société, puisque on était coupé de tout, il y avait pas de radio, il y avait pas un suivi et un contact avec le monde extérieur suffisamment fréquent que pour dire « Ok, on vit une vie un peu différente, mais on est quand même en contact avec le monde et la société. » Pas du tout. Donc comme j'en ai parlé, on en parlait en off tantôt, mais c'était ce parent qui venait apporter de la nourriture à Château de Soleil et qui était passionné de Formule 1, et donc il partageait avec son fils... qu'il voyait une fois par semaine ou deux fois par mois, rare exception d'ailleurs, et il partageait avec lui sa passion pour la Formule 1. Et du coup, ben la Formule 1 est arrivée dans notre monde, mais on savait même pas ce que c'était. On savait pas ce que c'était comme. Enfin, moi, j'avais jamais eu de Formule 1, j'avais jamais vu la voiture, j'avais jamais vu la Formule 1 à la télévision, et donc on entendait juste les à la radio. Et c'était un monde qui s'ouvrait à nous parce que voilà, tout d'un coup on était en contact avec quelque chose qui se passait et puis on entendait la radio. Je me rappelle aussi de moments où on avait réussi à se procurer des Walkman. Donc il y a eu plein de phases en fait et plein de moments différents dans cette coupure du monde. Il y a eu des moments où c'était vraiment radical, donc les années 80 jusqu'aux années 90, il y a vraiment eu un moment où Château de Soleil était complètement coupé du monde extérieur. C'était interdit aux adultes, aux parents de venir sur place, à moins qu'ils aient l'autorisation explicite de Robert Spahn. C'était comme ça pendant 10 ans. Ensuite, petit à petit, avec les années 90, les choses se sont un petit peu relaxées, en quelque sorte. Et surtout, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On allait à Bruxelles une année, et puis on finissait par apprendre l'existence, par exemple, d'un Walkman, et puis alors on écrivait à nos parents, est-ce que je peux avoir un Walkman cette année avec une cassette de je ne sais pas qui? Et tout ça venait d'influences et de flashs qui nous traversaient quand on était confronté au monde extérieur. Et donc après, on essayait de concrétiser, on essayait de se dire, allez, j'aimerais tellement bien réécouter cette musique ou je sais pas quoi. Et donc on demandait, on insistait, et il y a eu un moment dans les années 90 où beaucoup de gamins avaient un Walkman, et donc on écoutait de la musique, mais c'était dans notre chambre, ou c'était dans les buissons, on avait des écouteurs, et alors on allait se cacher pour écouter de la musique, ou écouter de la radio. Il y avait des garçons un petit peu plus âgés que moi qui de temps en temps écoutaient les informations, alors ils te disaient, ouais, il va y avoir les élections, je me rappelle, je sais pas moi, quand il y a eu l'élection de qui, de Jacques Chirac, je crois, j'avais le gamin. Et donc il y avait des échos qui arrivaient du monde extérieur. Je me rappelle de Michael Jackson qui débarque avec son Bad ou son Thriller, je sais plus actuellement, mais ça, moi ça m'a marqué complètement. Sa voix, cette musique, ça m'a j'étais transporté par la musique de Michael Jackson, tout en n'ayant jamais vu un clip. Je me rappelle que des années plus tard, quand j'ai vu des clips, quand j'ai vu le clip d'une musique que je connaissais déjà et que j'ai compris c'était quoi l'histoire, très souvent j'ai été bien bien déçu parce que moi j'avais imaginé tout à fait autre chose. Les périodes ont été différentes. Il y a eu une période où voilà, 91-92, Robert Spatz a repris les rênes, a serré la vis, et donc par exemple tous les Walkman qui s'étaient accumulés, les montres, à un moment donné on avait tous une montre. Et ben tout ça, il a fallu, il a, il, il, il a,
il a théorisé que voilà, de toute façon, la fin du monde approchant, eh ben, toutes ces distractions étaient absolument inutiles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Devant un parterre d'adultes, mais il y avait une centaine de personnes, hein, eh ben, tout le monde a fait la file. Et tout le monde a été écrasé dans un tréteau ou quelque chose comme ça, une espèce de compresseur comme ça. Et donc on mettait notre Walkman, moi j'avais un Game Boy aussi, j'avais reçu un Game Boy de mon père je crois, ou de ma mère, je sais plus, hop, on avait mis le Game Boy, et péter le Game Boy, péter les Walkman, péter les montres, tout ce qui avait une plaque de silicium, il fallait le détruire. Et ben il y avait un sac à la fin, hein, avec pas mal de kilos quand même, de choses qui ont été broyées, qui ont été jetées, et puis bah du coup sans musique, sans la radio que tu cachais des responsables, que tu cachais des adultes, que tu cachais de Robert Spatz, que tu disais voilà c'est mon petit secret, et ben sans ça, ben voilà, il y a tout qui se tasse, il y a une espèce de retour sur soi-même, il y a moins d'évasion en tout cas de l'esprit. Et dans l'esprit de Robert Spatz, ben, c'est comme ça que ça doit être, parce qu'il y a moins de distractions, et comme ça, vous vous concentrez sur la pratique, et vous vous concentrez sur l'apprentissage du tibétain, et l'apprentissage des prières, et alors il était tout fier que les gamins sachent réciter des textes entiers en tibétain, sans même savoir ce qu'on disait, puisqu'on ne comprenait pas le tibétain écrit en tant que langue parlée, on savait juste le lire, donc on savait l'interpréter, on savait le prononcer, mais... c'est uniquement dans les cours de tibétain qu'on voyait certains mots qui étaient de toute façon toujours rattachés au monde des prières, au monde de la religion, puisque voilà, dans le tibétain écrit, il y a le tibétain écrit des rituels liturgiques en quelque sorte, et puis il y a le tibétain écrit populaire ou parlé comme il est parlé dans la société tibétaine. Ben nous, on connaissait pas tout ce pan-là, on connaissait juste le tibétain des prières, les tibétains, des liturgies, quoi. Je souhaite que nous abordions maintenant un autre sujet très douloureux, celui de nombreux cas d'abus sexuels commis derrière les murs de Château de Soleil, ainsi que dans l'enceinte du palace de Spatz. Ces actes ont commencé à être dévoilés en 85 avec l'affaire. Une affaire qui a révélé une dizaine de cas d'abus sexuels sur de très jeunes filles, toutes âgées entre 5 et 9 ans. Alors déjà, je dois resituer, parce qu'en fait, 85, c'est l'arrivée à Château de Soleil. 91, c'est le moment où l'affaire éclate. Il faut séparer les affaires d'abus sexuels en deux parties. D'une part, il y a l'affaire qui, entre les années 85 et 91, vont se dérouler toute une série d'abus sexuels qui vont, par la suite, en 91, quand ça va éclater, qui vont être cachés par l'ensemble des adeptes de la communauté sur place à Château de Soleil, inclus la responsable directe de ces jeunes filles, qui va étouffer l'affaire. Tous les adultes sur place vont étouffer l'affaire pour protéger, on va dire, la survie de la communauté. Et donc, en fait, la manière dont ça se déroulait, c'est qu'en fait, cet homme, qui était le mari de la responsable principale des enfants à Château de Soleil, un véritable pédocriminel, dans le sens où il a d'abord utilisé la proximité avec sa femme pour s'approcher des enfants, pour se poser comme un responsable, c'est-à-dire que « Ah, mais tu es trop fatigué, je vais donner la douche aux jeunes filles. » Un homme, je vais donner la douche aux jeunes filles. Et je vais donner la douche aux jeunes filles, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh ben, le monsieur, petit à petit, s'est retrouvé à prendre la douche avec les jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui se rappellent d'être, comme elles étaient à la hauteur de son engin, on va dire ça comme ça, ben, il était là, en train de se le peigner avec un peigne, quoi. Pour vous dire, quoi. Et c'était comme ça. Ou alors, c'était, je vais couper les ongles des jeunes filles. Et alors, il exigeait que les jeunes filles se fasse couper les ongles, mais il fallait qu'elles mettent pas de culotte. Parce qu'il fallait que ça s'aère, il fallait que ça sèche. Et alors, évidemment, il les asseyait sur une chaise, lui, il était assis plus bas, et je voulais savoir où il pouvait regarder en toute impunité, et ce, à moins de 50 centimètres de la personne, quoi. Et donc, ça commence comme ça,
Ah, on revient d'une promenade, les enfants ont tous trop chaud, il fait trop chaud et tout, je vais les arroser. Et alors, non, vous devez vous mettre en maillot et tout, tous les enfants sont en maillot. Moi, cette scène, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, je le vois avec ce tuyau d'eau en train d'arroser des filles, certaines étaient plus âgées que moi, qui étaient clairement déjà dans la puberté adolescente, et d'autres qui avaient mon âge et d'autres qui étaient un peu plus jeunes que moi. Et tout le monde était là en train de sauter en l'air et de se faire arroser. La scène peut paraître anodine parce que sur le moment là, il y a aucun abus direct qui est en train de se passer. Mais en fait, on est juste en face d'un prédateur qui est en train d'arroser des jeunes filles et ça fait partie de tout le mécanisme qui va l'amener à ce que t'es trop fatigué, je vais t'aider, je propose de t'aider. Alors qu'il était mon responsable. Hein. Cet homme était mon responsable, mais il était toujours absent. Donc, je sais même pas comment nous on s'organisait, enfin, on suivait l'horaire, mais le fait est que je me rappelle d'avoir une pensée en tant qu'un gamin de 10 ans et de me dire, mais comment ça se fait que notre responsable il est jamais là et qu'il est toujours chez les filles? Mais dans ma tête d'enfant, je pouvais absolument pas imaginer ce qui était en train de se passer. Et en fait, ça va encore s'aggraver dans le sens où, t'es trop fatigué, je vais coucher les filles. Et donc, sa femme, très, très, très reconnaissante. Ah, merci, c'est gentil et tout. C'est vraiment une super aide que t'es en train de me faire. Et alors, il allait dans la chambre où toutes ces jeunes filles étaient en train de dormir. Elles étaient sur des lits superposés. Donc, il y avait chaque fois deux étages. Et il y avait une dizaine de filles qui habitaient dans cette chambre. Et donc, il allait passer de lit en lit en mettant ses mains sur leur torse, descendre jusque dans la zone vaginale. Pénétration avec ses gros doigts, viol. Viol, tout simplement. Et en fait, il allait passer d'une fille à l'autre. Et donc, en fait, quand on dit qu'il y a une dizaine de victimes, il y a certaines victimes qui étaient tellement jeunes, mais tellement, tellement jeunes, c'est-à-dire qu'elles étaient en dessous d'avoir 5 ans, qu'aujourd'hui, elles portent des traumatismes de, par exemple, se border le lit, mais hyper serré, pour ne pas qu'il puisse réussir à mettre sa main. Eh ben, elles continuent à avoir, d'une manière inconsciente, une forme de besoin de protection et de se serrer complètement, de s'isoler pour ne pas être touché contre le regret, quoi. Et donc ça, c'est la première affaire qui va durer, ben, en fait, ça va durer des années. C'est-à-dire que ces abus sexuels, ils vont se répéter les soirs, ils vont se répéter, et les jeunes filles, elles ne savent pas à qui aller dire, parce que la personne qui est en train de les abuser est le mari de leur propre responsable. La seule personne qui aurait pu être leur référent de confiance ne peut pas être une personne de confiance. Et donc, elles ne savent pas à qui aller dire. Et donc, il y en a une, dans les plus âgées, qui, en 91, va le dire à son père, qui est de visite à Château de Soleil. Son père va devenir fou de rage, va aller chez Robert Spatz et lui dire, ou va l'appeler, je ne sais plus, et va lui dire, s'il n'y a pas une solution qui est trouvée à cette situation là maintenant, je vais à la police. Et c'est là aussi qu'on trouve déjà la racine du problème. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce parent, il se dit, je vais à la police, et puis on va arrêter cette situation et on va éjecter ce type de là. Non. Son premier réflexe, c'est d'abord, il faut protéger la communauté. Et donc, d'abord, ça se règle en interne. Et ça, c'est une grossière erreur, puisque ça a permis, en fait, toute la suite des abus sexuels de Robert Spatz, s'ils avaient éclaté à ce moment-là, parce que on a parlé de la fin, mais Robert Spatz est lui aussi un prédateur sexuel déjà dans ces années-là. C'est-à-dire que dès la fin des années 70, jusque pendant toute la période des années 80, où il réside, 82, 83, 84, 85, si je me rappelle bien, il est beaucoup plus souvent à Château de Soleil. On est juste après la règle d'or de Soleil, l'écriture de la règle d'or de Soleil et son imposition, et donc il est très souvent à Château de Soleil. Et Robert Spatz lui-même est en train d'abuser sexuellement de pas moins de 3 jeunes filles à ce moment-là, qui sont plus âgées que moi. Moi j'ai 6, 7 ans, elles ont déjà 11, 12, 13 ans. Et en fait, il y a à Château de Soleil, il y a 3 cas d'abus sexuels qui vont se passer avant les années 90, dans le chef de Robert Spatz. Et il va y avoir toute la
dont je viens de décrire le voilà la situation. Et avec ce parent qui dit, ce père qui dit, ben s'il y a pas quelque chose qui fait, je vais à la police. Qu'est-ce qui va se passer? Robert Spatz va prendre, va le renvoyer de Château de Soleil. Ça va être connu, enfin, c'est-à-dire que je me rappelle d'une situation où tous les enfants sont rassemblés dans la chambre en bas. Il est en train de pleurer parce que les filles ne lui ont pas dit qu'elles étaient en train de se faire abuser sexuellement. Et, et ensuite, il y aura rien. C'est-à-dire que, il y a une prise de conscience comme ça dans les enfants que quelque chose s'est passé, mais nous, on sait même pas ce que c'est un sexe, en fait, hein. C'est-à-dire, il y a aucune éducation sexuelle à Château de Soleil. Zéro dans ces années-là. Mais absolument zéro. Ça ne va arriver qu'après les perquisitions. Donc après 1997. Et donc, moi, en tant que garçon, mais je comprends rien. Je comprends rien de ce qui est en train de se passer. Je sais juste que, visiblement, a fait une énorme connerie. Est furieuse. Est renvoyé, mais il est toujours pas dénoncé à la police. Il n'y a pas une seule fois quelqu'un qui se dit « Oui, mais attendez, on a quand même une dizaine de victimes, est-ce qu'on ne devrait pas les recenser? Est-ce qu'on ne devrait pas savoir si elles ont besoin d'une aide psychologique? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de savoir véritablement ce qui s'est passé ?» Ben non, il y a juste rien. Elles sont prises en groupe, comme ça, pas individuellement, et il n'y aura rien. Il n'y aura pas de psy, il n'y aura pas d'aide, il n'y aura rien, il n'y aura juste rien. Elles vont juste grandir, comme ça, elles vont continuer à grandir, et c'est tout. Et certaines, qui se sont fait abuser par vont par la suite se faire abuser par Robert Spatz. Et donc là, on sort de Château de Soleil, c'est-à-dire que les abus de Robert Spatz, ils vont gagner en intensité à partir des années 90. Quand il va prendre certaines des jeunes adolescentes de Château de Soleil, il va les prendre à son service directement en Espagne, c'est là que commence la période de la soi-disant communauté itinérante, nouveau concept que Robert Spatz s'invente dans les années 90, qui va lui permettre en fait de créer une sorte d'élite au sein même de la OKC, qui sont une bande de privilégiés, la majorité sont des adultes, et flanqués de ce groupe d'adultes, d'une dizaine d'adultes, eh ben, il y a les jeunes filles que Robert Spatz arrache à Château de Soleil, arrache à leurs amis, arrache à leur vie, pour plus critiquable qu'elle soit, être comme ça dépaysée et rappliquée en Espagne à l'âge de 11-12 ans, ça doit être quelque chose de... Et tout d'un coup, arriver dans un monde d'adultes, ou dans le monde d'adultes de Robert Spatz, directement autour de lui, il n'y a pas de règles, il n'y a que les règles de Robert Spatz. Et donc, il y a des jeunes filles qui vont se retrouver placées dans le lit du fils de Robert Spatz. Et elle a 11 ans à ce moment-là. Il y a des jeunes filles qui vont se retrouver bourrées, ils vont leur bourrer la gueule, et ensuite, il y a je sais pas quel adulte, qui était d'ailleurs le responsable d'OKC Portugal, qui va lui faire des avances, et il y a aucun autre adulte autour de là qui lui dit « Mais attends, ça, pourquoi cette fille, elle est mineure, c'est la fille de mon pote ?» Non, il y a rien. C'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est encore pire que tout ce qui s'est passé au Portugal et en France dans un certain sens parce que c'est l'anarchie quoi. C'est le Robert Spatz en mode no limit parce que je suis dans un cercle où il y a que des initiés, il y a que des proches à Robert Spatz et que il a confiance. Il a confiance dans les gens qui sont là immédiatement autour de lui et il sait que ces gens vont jamais le dénoncer. Et ça va très bien marcher parce que ça va permettre à ce que Robert Spatz abuse sexuellement d'une de ces jeunes filles, par exemple, pendant 12 ans, de l'autre pendant 10 ans, de l'autre, d'une autre pendant, je sais pas, 8-9 ans, jusqu'à ce qu'elle se retrouve un mari peintre japonais, enfin, c'est tellement grave, en fait, ce qui s'est passé, que tu te dis, mais, comment c'est possible? Et en fait, comment c'est possible? C'est parce que, a été protégé, c'est-à-dire que, à aucun moment on n'est dénoncé à la police. Aucun des parents ne va comprendre l'ampleur de la gravité de la situation. Pourquoi? Parce que va être envoyé de Château de Soleil et il va atterrir où? Au KC Bruxelles. Et là, qu'est-ce que Robert Spatz va dire à ses ouailles lors de ses rencontres du dimanche à la Sapinière, le même endroit où ils font ces fameuses fêtes alcoolisées? Va devenir un paria, c'est-à-dire que
au lieu de présenter l'ensemble des abus, parce que Robert Spratt est conscient de l'ampleur des abus, puisque dans un interrogatoire de police qui date de post-perquisition en France, il cite 3 noms de personnes qu'en fait, il ne va jamais annoncer face aux parents. C'est-à-dire que face aux parents, il va leur dire « a mis la main sur les cuisses d'une jeune fille qu'il va lui-même abuser plus tard d'ailleurs. Et donc tous les parents, ils ont l'impression que genre, c'était pas si grave, que c'était juste une main sur une cuisse, que de toute façon c'était qu'une fille et c'était pas leur enfant, et que donc maintenant est hors de Château de Soleil, donc les enfants sont en sécurité. Voilà. Maintenant tout va bien. Et votre lama, il a pris les choses en main, il a viré le méchant prédateur sexuel. Voilà. Et les parents, ils vont se contenter de ça. Les parents, ils vont croire que leur fille n'est pas concernée. Puisque Robert Spratt ne leur dit pas l'ensemble de la vérité, que leurs enfants sont à 2000 km de là, que leurs enfants ont un mal de chien à parler de ça, ils savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont entre les jambes à cet âge-là, vu le manque total d'éducation sexuelle sur ces questions, etc. Et donc, en fait, les parents, pendant 20 ans, ils vont jamais savoir, une partie des parents ne va jamais savoir que leur fille s'est fait abuser par... Et donc, ça, c'est un élément clé qui permet à Robert Spratt de continuer et de prendre en charge lui-même les abus sexuels. Et puis surtout, il va même héberger à un moment donné, il va le faire travailler dans des secteurs de la OKC pour qu'il soit bien en dehors du circuit, qu'il soit bien invisible, que tout le monde l'oublie en quelque sorte. Et chez cet ami satellite, eh ben, il va abuser d'une des jeunes filles de ce satellite de la OKC. Et donc, on est clairement dans une situation où, en fait, non seulement des abus de continuent parce qu'il n'a pas été dénoncé, comme en plus, ça permet à Robert Spatz de reprendre une partie des abusés par et de les abuser lui-même. Voilà. Tous ces adultes, tous, que ça soit le responsable des Châteaux de Soleil, sa femme, les éducateurs des enfants, le prof de maths, tous portent une responsabilité de complicité sur le fait d'avoir caché des crimes d'abus sexuels sur des enfants mineurs et de ne pas les avoir déclarés à qui que ce soit. Et ça, c'est la genèse, puisque si avait été interrompu, s'il y avait eu une descente de police à Château de Soleil en 1991, eh ben, on aurait pu sauver une dizaine de jeunes filles des abus de Robert Spatz. C'est terrible, c'est vraiment terrible que même les filles, une des filles qui a porté plainte en 1997 pour abus sexuels contre Robert Spatz, en 1997, eh ben, en fait, il y a encore, je sais pas, 6, 7, 8 abus sexuels qui viennent par la suite. Alors que la justice belge, la justice française, avait information de tout ça. En 1997, on est en 2020. Évidemment, une partie des abus, surtout celle de cette courageuse dame qui a porté la première plainte pour abus sexuels en 1997, suivie par 3 autres en tout à ce moment-là en 1997. Elles se sont dit, je dois porter plainte pour que les abus s'arrêtent. Et en fait, les abus ne se sont pas arrêtés. La Belgique. La police belge a fait en partie un très bon travail, en partie un très mauvais travail sur toute une autre série de choses. La justice française a complètement sous-estimé la gravité de la situation. Bon, on arrive à une période où on doit parler des perquisitions, donc on arrive à 1997, mais voilà, la question des abus sexuels, je vais même pas rentrer dans les détails parce que ça s'apparente à dans certains cas, des formes de sadomasochisme, de BDSM, de véritables formes de torture avec des objets sur des parties génitales. Sans parler, mmh, après, même du viol à part entière, que ça soit avec des doigts ou avec un objet rituel ou avec une verge, c'est un viol et ce sont des choses qui se sont passées pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais
dans notre enquête interne, on en est à 11 cas d'abus sexuels dans le chef de Robert Spahn. Et ça, c'est que en comptant les enfants. Donc après, il y a l'autre partie de l'iceberg, qui d'ailleurs s'écroule de plus en plus, qui est de se demander, mais comment ça se fait que les parents, comment ça se fait que les mères ne sont pas plus protectrices de leurs propres enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, au plus on creuse, au plus on est en train de se dire que certaines des jeunes femmes qui ont connu Robert Spahn dans les années 70 ont eu des relations sexuelles avec Robert Spahn. Et que la raison pour laquelle elles sont tenues par une forme de secret par rapport à Robert Spahn, il est ancré alors, c'était des adultes. On peut imaginer l'idée qu'elles étaient consentantes. Mais consentantes à quel point? Est-ce que leur mari était véritablement au courant du fait qu'elles allaient se faire déflorer par Robert Spahn? Est-ce que c'est pas là la racine du fait que tous ces adultes sont complices et sont en silence dans le fait qu'une partie de ces femmes se sont elles-mêmes faites abuser, ne fût-ce que d'un point de vue de confiance, même si elles étaient adultes, même si elles s'imaginaient consentantes? Est-ce que Robert Spahn n'a pas planté des graines de genre, tu es en train de vivre une relation absolument unique avec ton lama, c'est une expérience spirituelle absolument unique qui mélange du sexe et de la spiritualité, et il faut absolument pas en parler. Parce que ça, c'est ça aussi le cadenas utilisé par Robert Spahn, c'est qu'en fait il va utiliser le secret, il va utiliser le fait que dans le bouddhisme on appelle ce qu'on appelle le lien de Samaya, c'est un espèce de lien spirituel entre un disciple et son maître. Et d'habitude c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose que des deux côtés les deux personnes le veulent en quelque sorte. Et là en fait Robert Spahn il va usurper ça et il va l'utiliser comme un cadenas au silence. Il va leur dire voilà, si tu parles, tes parents vont mourir de cancer. Si tu parles, il va t'arriver des choses abominables dans ta vie. Et donc la personne complètement conditionnée par les menaces de Robert Spahn se taisait. Il y a une jeune fille, une très grande amie à moi, qui s'est tue pendant 12 ans. 12 ans, elle a pas raconté ça à personne, pas à nous, à qui que ce soit. C'est-à-dire que moi, dans mes souvenirs, je me rappelle qu'elle change à un moment donné. On a comme ça 13, 14, 15 ans, il y a quelque chose qui change. Et en fait, qu'est-ce qui a changé? Robert Spahn l'a mise à son service, on va dire, en tant que véritablement bonne à tout faire pour s'occuper de sa maison au Portugal, en la séparant du reste du groupe, évidemment. Et les abus sexuels de Robert Spahn vont commencer sur cette personne, mais nous, en tant que personne du même âge, on n'a juste aucune idée de ce qui est en train de se passer. On voit juste que la personne a changé. Quelque chose qui est cassé. Il y a une tristesse dans les yeux, il y a une blessure, en fait, invisible. Et sur le moment, moi, j'en ai mais juste aucune idée. C'est-à-dire que je suis en train de parler, là, maintenant, depuis 10 minutes d'abus sexuels, que je vais apprendre, en fait, dans les années 2008, 2010. C'est là que le scandale des abus sexuels va véritablement prendre toute son ampleur. Et encore, on est uniquement en train de parler des abus sexuels de la part de Spahn. Et c'est même en 2015 que les abus sexuels de la part de refont surface et que ces victimes de l'affaire décident elles-mêmes à partir de 2017 de témoigner en France, et c'est ce qui va provoquer la réouverture de l'affaire Ocassé en France où aujourd'hui en 2021 a déjà reconnu les faits, il a déjà été mis sous observation et il va y avoir une instruction juridique qui est en cours et on va voir où les choses vont aller. Mais c'est vraiment il y a une chaîne en réaction, en fait, entre le fait qu'ils se protègent les uns les autres et le fait que chacun reste en silence et que chacun reste complice en direct de cette situation, et le fait que ça permet à Robert Spahn, en fait, de prendre en charge lui-même ses abus, de les décentraliser en Espagne, au Portugal, à Bruxelles, à Château de Soleil. Donc, c'est-à-dire que il y a certains étés où certains d'entre nous, on se retrouve à aller à Château de Soleil, et Robert Spahn, dans sa petite maison, il va convoquer cette jeune fille et il va l'abuser sexuellement à ce moment-là. Il justifie donc cet acte comme étant une sorte de rituel tantrique. Oui, oui, ça fait partie intégrante de son processus, de son profil psychologique. C'est quelqu'un qui va utiliser en fait le fait que, soi-disant, ces jeunes filles sont porteuses d'une énergie, de vie, une énergie de une vibration, quelque chose de d'invisible, mais qu'il est le seul à percevoir,
et que lui-même, en tant que lama, en tant que maître, il a besoin de cette énergie pour non seulement prolonger sa vie, mais aussi éviter que ce soit des maladies ou en tout cas, voilà, que ça pourrait aider. Donc en fait, il y a certains des cas d'abus où en fait il va jusqu'à endoctriner la jeune adolescente pour que en fait elle se retrouve à aller presque volontairement à ces séances d'abus. C'est-à-dire que il l'a tellement embobiné qu'elle croit vraiment que son énergie et sa jeunesse vont peut-être aider le lama, comme ça s'appelait à l'époque, à rester en vie plus longtemps, à guérir de je ne sais pas quelle maladie imaginaire. Et Robert Spatz va utiliser ces mécanismes qu'il lit par le secret, mais qu'il apporte aussi via le Vajrayana, le tantrisme, le panthéon des divinités courroucées qui font partie, qu'on retrouve dans le panthéon tibétain, en quelque sorte. Il y a comme ça toute une série d'énergies, enfin, ou de divinités qui peuvent tantôt être courroucées, tantôt paisibles et voilà, soi-disant positives. Et donc lui, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle les dharmapala, qui sont en quelque sorte des espèces d'énergies invisibles protectrices du dharma. Et il va utiliser ça. Donc nous en tant qu'enfants, on y croit. C'est-à-dire que toute notre vie, on nous a dit qu'il y avait des êtres invisibles, qu'il y avait des nagas, qui étaient les gardiens des sources, qui étaient les gardiens des pierres, qui étaient les gardiens des rochers, des arbres, des cides, et cela. Et Robert Smith, en fait, il nous balance ces croyances. Et ensuite, il les réutilise contre nous-mêmes, puisqu'il nous a inculqué ses peurs. Il nous a inculqué le fait que les protecteurs et les divinités courroucées existent bel et bien, et que si jamais on se révolte contre lui, ou si jamais on va à l'encontre de ses directives, eh ben on aura affaire directement à ces divinités. En tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent, complètement intégré, complètement imbibé de toute cette idéologie, ben tu fais quoi? Tu te conformes. Même si tu dois attendre 2 heures, 4 heures dans sa tour pour qu'il arrive, tu attends, hein. Et tu bouges pas. C'est terrible, cela. Terrible, terrible, terrible. Et même de mettre des enfants, genre, si un des parents posait des questions ou que il se disait, j'ai envie de voir ma fille, et Robert Spatz avait mis, donc ça c'était son modus operandi aussi, c'était, être près de Robert Spatz, c'est avoir l'opportunité de faire des retraites. Alors, qu'est-ce que c'est de faire une retraite? C'est que tu te fais isoler par Robert Spatz. Il y a une partie de sa clique qui s'occupe de ta cuisine, qui s'occupe de tes habits, qui s'occupe de tout. Toi, tu dois rester enfermé à la disposition de Robert Spatz. Et tu dois faire des prières. Tu dois faire des rituels, tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer, tu dois être pur. Et ensuite, quand Robert Spatz t'appelle, tu dois être prête. Tu dois être prête pour te faire abuser. Et ensuite, si tes parents posent des questions qu'ils aimeraient vraiment te voir, ils comprennent pas pourquoi t'es autant isolé, eh ben, c'est que tes parents, ils commencent à devenir un problème. Tu devrais peut-être leur dire qu'ils te foutent la paix, tu sais, parce que maintenant t'es une grande fille, t'es majeure, donc, tes parents commencent à devenir un petit peu, dérangeants, quoi. Et donc, ils finissaient presque par mettre les enfants contre leurs parents, quoi. Enfin, certains de ces jeunes adolescents qui se sont fait abuser ont vécu ce que je viens de raconter. Et ça laisse des traces, mais terribles, terribles, dans ce qu'il reste après des relations familiales.